fur et à mesure pour s'imposer devant toute la catégorie, en particulier ce garçon, un Québécois, Dylan White. Il n'y a plus qu'à aller, hein. J'y suis, hein. L'ascension. Ne passe. Pour passe. Lui, c'est une petite vedette aux États-Unis. Alors, pourquoi? Parce qu'il a un petit peu de qui est un pilote de Supercross. Mais pas seulement, vous le verrez un petit peu plus tard. On enchaîne, Nicolas, avec la présentation pour un garçon qui va découvrir. Qui a découvert les garçons en Genève? Martin Davalos avec sa toute nouvelle. Alors, enfin, toute nouvelle. On attend dans cette info, sur quoi elle arrive. Bien, alors, les victoires de Martin Davalos, surprenant. On l'a vu agressif dans les duels, on l'a vu constant dans les manches. Une belle surprise, il est en piste pour remporter le titre de course en Genève. Ouais, vainqueur hier soir, Martin Davalos, vainqueur des duels, vainqueur de Saint-Denis, vainqueur de la finale. Grosse performance pour le pilote officiel Kawasaki, Monster Energy France, il a pu marquer ici numéro 800. C'est le retour à Genève, alors Michael ici il est plus au sommet de sa forme, hein. C'est vrai qu'il n'est pas capable de gagner, mais c'est un garçon qui peut partir devant, qui peut signer de bon départ. On enchaîne avec un garçon que l'on connaît bien sur Automoto, la chaîne champion des États-Unis de Supercross sur la côte ouest. Il va disputer sa deuxième année.